Parfait, soyez une fois encore bienvenue. Oui, maintenant je peux partager l'écran. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais de toute façon, tout va bien. OK. Donc, alors, on va commencer avec cet exercice et simple, d'accord? Il y a tout simplement des adjectifs. Quels sont les adjectifs? Grand, on va prononcer grand, pas grand. Grand, d'accord. Grand. Âgé, d'accord. Âgé. Âgé. Maigre, d'accord. Maigre. Maigre, jusqu'à là. Maigre, tout simplement. Et studieuse. D'accord, au féminin, studieuse, comme un Z à la fin, studieuse. Sportive, attention, il faut accentuer le V, parce qu'au masculin, on dit sportif avec le F. Féminin, sportive, comme attend, comme sportif, n'est-ce pas? Sportif. Masculin, féminin, comme attentive, par exemple, et attentif. Attento, attente, attentif. D'accord? Attentif, attentive, attento, attenta. Sportif, sportive, deportivo, deportiva. OK. Et souriante, à la fin, on va prononcer le T à la fin. OK. Souriant, pardon, le T, oui, jusqu'à le T. Souriante à la fin. Parce que sinon, au masculin, ça serait souriant, tout simplement souriant. Mais au féminin, souriante. Voilà, ce sont des adjectifs et la seule chose qu'on doit faire, c'est de faire une comparaison d'après l'exemple. Quel est l'exemple? Ici, voilà l'exemple. Voilà l'exemple. Charlotte est plus grand. Moi, Vas-y, merci, Lisette. Charlotte est plus grande que Julie. Voilà, c'est ça, exactement. On a déjà utilisé l'adjectif grand, donc ça marche. Parfait. Julie est plus grand que Julie. En effet, grand, en effet. Très bien. On continue. Quelqu'un qui veut continuer l'activité avec le numéro 2, quelqu'un d'autre avec le numéro 3. Quelqu'un d'autre avec le numéro 4, quelqu'un d'autre avec le numéro 5 et finalement 6. Moi, Vas-y, merci. et Charlotte est plus âgée que Julie. En effet, très bien. Et plus âgée, très bien. Et plus âgée que Julie. OK, très bien. Ça fonctionne. Charlotte, ah pardon, est plus âgée. N'oubliez pas l'accord. On va mettre le E à la fin parce que c'est Charlotte. Charlotte est plus âgée que Julie. Point. OK. Donc, Lisette, je te pose la question. Si, par exemple, Julie n'a pas 18 ans, sinon 21 ans. Et Charlotte est plus moins âgée que Julie. Et t'es sûr? Parce que... Ah, pardon. Et Charlotte est aussi âgée que Julie. Bravo, c'est ça. Et aussi âgée que Julie. Voilà. Ils ont, et elles ont la même âge, n'est-ce pas? Elles ont la même âge. Charlotte est aussi âgée que Julie. Excellent, c'est ça. Voilà. Merci, Lisette. Très bien. Aussi. Un adjectif, aussi. Très bien, on continue. Trois. Quelqu'un.
Tania, peut-être ils vont laisser Cécilia, Victoria, Suzanne. Moi? Vas-y, merci. Charlotte est plus attentif que Julie. Ah, d'accord. Oui, ça fonctionne, ça peut fonctionner. Charlotte est plus attentive que Julie. Oui, ça peut fonctionner avec l'adjectif attentive, n'est-ce pas? Attentive. Donc, OK. Moi? Et, OK. Bon. Charlotte et moi, et moi souriante et que je Exact, exact, c'est ça. Souriante. Charlotte est moins souriante. Et Charlotte est moins. Exact. Est moins souriante, souriante que Julie. Voilà, Julie. En effet, Charlotte est moins souriante que Julie. En effet, parce que Charlotte, est, je pense qu'elle est un peu triste. C'est pourquoi elle n'est pas aussi souriant que Julie, n'est-ce pas? Julie est souriante. Charlotte, malheureusement, non. Et en effet, sonriente está menos sonriente que Julie. Souriante, sonriente, au féminin, attention, parce qu'en français, on va distinguer sonriente, sonriente, souriant, souriante. Féminin, masculin. D'accord? Souriant. Voilà. Excellent. Très bien. On continue avec le numéro 4. Vas-y, merci. Charlotte est moins studieuse que Julie. Excellent. Très bien. En effet, Charlotte est moins. Tu l'as bien prononcé, est studieuse, en effet, studieuse, que Julie. Voilà, c'est ça, effectivement, studieuse. Et par exemple, Suzanne, si Charlotte est aussi étudie de la même façon, le même temps, de la même manière, comment on dit? Comment est-ce qu'on va exprimer? Charlotte est aussi studieuse que Julie. Voilà, bravo, c'est ça. Aussi, bien évidemment, plus un Aussi. adjectif, et moins, plus, etc. Plus, moins, plus, moins et aussi fonctionnent pour les adjectifs et pour les adverbes, n'oubliez pas. Après, on va passer à regarder les adverbes et ensuite. On va se concentrer avec autant, d'accord? Donc, pour l'instant, excellent, très bien. Et facile, c'est facile. Et c'est facile, et donc, 5. Moi, Vas-y, merci, merci. tiens. Toi, Anna, oui. Charlotte est plus sportive que Julie. Très bien, c'est ça. Charlotte est plus sportive, pardon, est plus sportive que Julie. Parfait. Excellent. Est plus sportive que Julie. Et si on veut exprimer l'égalité, l'égalité, comment est-ce qu'on va exprimer l'égalité? Charlotte est aussi Exact. sportive que Julie. Exact, c'est ça. Et aussi sportive que Aussi. Julie. Parfait. Oui. Aussi. Exact. On va Aussi. tout simplement prononcer aussi.
Voilà, excellent, très bien. Et aussi, aussi, d'accord, aussi. Parfait, Charlotte est plus sportive que Julie. Finalement, numéro 6, quelqu'un. Moi, Vas-y, merci, Yvonne. Charlotte est moins mère que Julie. Exact, c'est ça. Et parfait. Charlotte est moins, oh, moins, en effet, moins maigre, en effet, maigre que Julie. Parfait. Et moins maigre que Julie. Menos delgada. D'accord? Maigre. Delgado, delgada. Et il reste Oui. le même pour masculin et féminin. Maigre. Maigre, ça fonctionne pour féminin ou masculin. Maigre, toujours maigre. Maigre, voilà. Exact, c'est ça. Parfait. Oui. Donc, il y a la question? Pas de question jusque-là. C'est facile, n'est-ce pas? Oui. Ok, on continue alors. On va continuer. Parfait. Alors, oui, c'est ça. Alors, on va maintenant se concentrer. Oh, exact. En effet. OK, parfait. Donc, pour finir, alors, on va essayer à surtout travailler. Avec autant, n'oubliez pas autant, autant de et aussi ce qu'on vient de travailler. Aussi, on le maîtrise déjà. On va travailler surtout sur autant et autant de. D'accord? Autant et autant pour un verbe et autant de plus un homme. D'accord? Plus un homme. Même au pluriel. Aussi, de la même façon, ça fonctionne avec les adjectifs. Donc, c'est parti. Quelqu'un qui veut et commencer? Par exemple, Julie travaille que Julie. Julie travaille que Julie. On va mettre. Julie travaille aussi que Jules. Ah, Jules, exact, Jules. Pardon, pas Julie, Jules, tu l'as bien prononcé. Pas tout à fait, Yvan, pas tout à fait, parce que aussi va travailler avec un adjectif ou un adverbe, d'accord? Aussi, on va utiliser aussi pour comparer un adjectif ou un adverbe. Moi, OK. Julie travaillait et autant que Julie. Exact, autant. Autant, autant que, autant, d'accord? Autant. C'est la formule, le verbe plus autant que, d'accord? Quel est le verbe? Le verbe est travail. Julie travaille, c'est-à-dire le verbe travailler. OK? Dans ces cas-là, on va prononcer travail. Julie travaille autant que. OK, parfait, c'est ça. Autant que. Autant que et verbe, le verbe. Verbe plus autant que, plus que, moins que. OK? Voilà, exact, c'est ça. On continue, numéro 2. Alors, tout le monde va avoir deux possibilités, d'accord? Donc, Yvan, de la même façon, numéro 2. Et ainsi, tout de suite, on va continuer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. Donc, Yvonne, numéro 2. Je aus ah wait petit D'accord. Alors, attention. je autant de travail que toi. Exact, parfait, exact. Oh, en effet, autant, j'ai autant de travail que toi. J'ai
J'ai autant de travail que toi. Autant de plus un homme. Travail, c'est un homme. Trabajo. OK? J'ai autant de travail que toi. Tengo tanto trabajo como tú. Autant de travail. D'accord? Et primero, Julie travaille autant que Julie. Julia trabaja tanto como Julio. D'accord? Voilà. Exact, c'est ça, Yvon. Parfait. Autant de travail. Numéro 4, 3 et 4. 3 et 4. Moi, Vas-y, merci, Lisette. il est aussi travailleur que toi. D'accord, 4. Et d'accord, 4. Lisette, 4. Tout le monde va participer deux fois, c'est-à-dire 3 et 4. Les deux bols ont et ou tant amis que Ami, c'est un homme, ami, d'accord? Ami, ami, homme, travailleur, adjectif, donc ça marche aussi. Un homme, un homme, un homme. D'accord? Autant d'amis. Le Duval, les Duval ont autant d'amis que les Dufort. Dufour, pardon. Et voilà, autant d'amis. Des apostrophes parce que le nom commence par une voyelle ou un H muet, donc dans ce cas-là, une voyelle. Autant d'amis, même au pluriel. OK? Même au pluriel. Comme ici, autant de travail, autant d'amis, des apostrophes. Aussi travailleur que toi, parfait, excellent. Donc, 5 et 6. Quelqu'un. 5 et 6. Ouais. Il a autant de problèmes que lui. Parfait, 6. Il se lève de 5e. Comment se dit ça? 5e. 5e. On autant de devoirs que les élèves du 4e. Exact. Et parfait. Exact. Autant de, de la même façon, n'est-ce pas? Autant de. Parfait. Excellente, Suzanne. Elle a autant de problèmes que lui, même au pluriel, d'accord? Plus un homme, plus un homme. Autant de, plus un homme. De, toujours, ou des apostrophes. Même au pluriel, autant de problèmes que lui. Ella tiene tantos problemas como él. Oui. Et les élèves de cinquième ont autant de devoirs que les élèves de quatrième. On ne prononce le U, d'accord? On prononce quatrième, quatrième. Comme qu'un, de la même façon ici. Et on va prononcer qu'un ici, mais sans prononcer le U. Donc, qu'un, quatrième, quatre, et quartier, OK? Quartier, quartier. On saute le U, quartier, quatrième, quatre, quand, etc. Donc, autant. Voilà. Parfait. Des devoirs, n'est-ce pas? Même au pluriel. Le S, pluriel. Deux. Toujours deux ou deux apostrophes. Excellent, Suzanne. Parfait. Bien joué. 7 ou 8. Quelqu'un d'autre? Tania, peut-être Cécilia, Anna, Victoria. Victoria, Anna, Yvonne. Il court autant vite que moi. Mmh.
Autant, pas tout à fait. Pas tout à fait, pas tout à fait. Pas tout à fait. Alors, il faut identifier la nature. D'accord? Toujours la nature. Travail en homme. Oui. Aussi, Exact. il corps aussi vite comme Exact. Et on va prononcer court, tout simplement court. D'accord. il court aussi vite que moi. Parfait. Excellent. Très bien. C'est ça. Il court aussi vite que moi. Voilà. Exact. Il... Aussi. Exact. Exact. Alors, la combinaison des voyelles A et U, on va toujours prononcer comme un O. C'est pourquoi on prononce autant. D'accord? Autant. Aussi. Automatique, au autocontrôle, au, comme un article contracté, n'est-ce pas? A plus le, au, toujours au, aussi, d'accord? Et la combinaison de la même façon des voyelles A et U, on va prononcer comme un ou en espagnol. C'est pourquoi ici, on va prononcer court. Et court, tout simplement court. OK, court. Court. Exact. C'est ça, Oui. court. Ah oui, exact. Oui. Elle listen autant livre que les garçons. Exact, exact, lise, exact, parfait. Elle lise Entendez. autant de livres que les garçons. Por qué de? Parce que c'est un homme. Livre, c'est un homme. D'accord. Comme ici, travail, c'est un homme. Ami, c'est un homme. Son nom, devoir, nom. D'accord? Et autant, tout simplement, on va utiliser autant au verbe pour modifier les verbes, d'accord? Et Julie travaille autant que Julie, le verbe. Voilà. Ou moins, d'accord? Ça fonctionne. Ok, parfait. Excellent. 9 et 10, merci Yvonne, très bien. Moi, Vas-y, Cécilia, à toi. il est aussi aussi bon en maths qu'en sciences, cousine Martine. Exact. Et elle est. Tout simplement, on va prononcer elle est aussi bon. Exact. Elle est aussi bon en maths qu'en sciences. D'accord? Conscience. Que en science. Mais parce qu'il y a c'était voyelle. Conscience. Et numéro 10. Pardon, Cécilia, une fois encore. Dice, elle est aussi jolie que sa cousine Martine. Parfait, c'est ça. Oh, en effet. Elle est aussi jolie. Parfait, aussi. Elle est aussi jolie que sa cousine Martine. Oh, en effet. Très bien, c'est ça. Merci, Cécile. Pour finir, 11 et 12. Pour finir, c'est parti là. Moi, Vas-y, merci, Alain. Très bien. ils sont aussi enfants que les voisins. Pas tout à fait, pas tout à fait. Enfant. Enfants. Pas tout à fait.
Non. Ils ont aussi un fond que les voisins. Pas tout à fait, Non. pas tout à fait. Il n'y a que trois possibilités dans ces cas-là, n'est-ce pas? Aussi, autant de ou autant. Enfant, Autant. enfant. Autant. Autant de. OK, autant de. Entendez. Oui, autant de. Autant de apostrophes dans ces cas-là, parce que le mot commence par une voyelle. Enfant, c'est un homme. D'accord? Enfant, ils ont autant d'enfants que leurs voisines. Voisines. D'accord? Autant de. Parce que enfant, c'est un homme. Et on va prononcer comme ça. Voisine. Voici. Exact. Ok. Et voilà. Entonces, la otra sí sería aussi. Maurice est aussi drôle, drôle que Julien. Exact. Aussi drôle. Parce que drôle, c'est un adjectif. Maurice est aussi drôle que Julien. Ils ont autant d'enfants que leurs voisins. Pardon, voisins. C'est pas voisine, Voisin. voisin. Exact. Voisin. Oui, drôle, un adjectif. Donc, on va utiliser aussi. Aussi drôle. Mauricio est tan chistoso que Julien. Drôle, ça veut dire chistoso. Drôle. Une chose drôle. Voilà, chistoso. Est tan chistoso como. Ils ont autant d'enfants que leurs voisins. Ellos tienen tantos niños como sus vecinos. Tantos niños, d'accord? Aussi, pardon, autant d'enfants. Autant d'enfants. Parfait, très bien. Il y a des questions jusque-là? Autant, autant de, aussi. Vous avez pu identifier quand est-ce qu'on va utiliser autant, autant de, aussi. Aussi, toujours avec un adjectif et un adverbe, d'accord? Un adjectif, un adverbe. Aussi, toujours. Aussi un adjectif ou un adverbe. Et autant de, toujours, autant de ou autant de apostrophes avec un homme, avec un, con un nombre. Devoir, ami, travail, livre, etc. Autant de problèmes, ce sont des noms, nombres. Et autant, tout simplement, autant pour modifier. Le verbe, d'accord? Verbe plus autant que Jules. OK. Parfait, c'est ça. Et pour finir ces parties-là, on a 10 minutes à peu près. On va travailler la partie de l'oral, d'accord? Vous devez tout simplement formuler une phrase d'après l'exemple. Par exemple, faire des comparaisons. On va maintenant faire des comparaisons. On va faire des comparaisons. On va faire des comparaisons, d'accord? Avec le verbe lire dans ces cas-là. Par exemple, et n'oubliez pas la supériorité, l'infériorité et l'égalité, OK? Par exemple, quelqu'un qui veut commencer la lecture. La phrase en faisant une comparaison. Merci, Lisette. Belle comparaison. Lire. Les filles plus les garçons et moi. Les filles lisent et plus que les garçons. Voilà, exact. C'est ça, parfait. Les filles lisent plus que les garçons. En effet, point. Exact. Les filles lisent. Et comme d'habitude, ENT à la fin, on ne prononce jamais. Lisent. Les filles lisent plus que les garçons, pardon. Excellent, très bien. Parfait. Quelqu'un d'autre, numéro 2, à l'oral, à l'oral. Les adultes jouent moins que les enfants. Exact. Les adultes
Et dans ce cas-là, on va prononcer joue. Joue. Exact. Les enfants. Bon, on a fait les adultes jouent moins que les enfants. En effet, joue. En effet, parce que ENT à la fin, on ne prononce jamais. Donc, joue. Les enfants jouent moins que les enfants, les adultes, pardon. Excellent, très bien, bravo, c'est ça. Ou on peut dire les enfants, si on inverse si on fait le contraire, les enfants lisent plus que les adultes, n'est-ce pas? Voilà. Alors, vous devez faire les deux, d'accord? À l'envers, il y a deux possibilités. Avec l'infériorité et la supériorité, sauf le numéro 3 et le numéro 6 et le numéro 7. Parce que le reste, on doit faire deux phrases, d'accord? Voilà. Et 3. 3. Trois. Les femmes, les hommes. Moi Vas-y. et les femmes jouent au loto et autant que les hommes. Ok, c'est ça. C'est ça, oh, en effet. Et à l'envers? Ah oui, c'est la seule réponse, en effet. Les femmes, pardon, les femmes. Et joue, une fois encore, joue au loto. Les femmes jouent au loto autant que les hommes. OK. Les femmes jouent au loto autant que les hommes. Ou les hommes jouent au loto autant que les femmes. C'est la même phrase. Voilà. Excellent, très bien. Et on continue. 4. Gagne. Gagner, dormir, ensuite avoir de céder, avoir des dents. Avoir des dents. Donc, numéro 4. Numéro 4, Anna, Cécilia, Yvonne, Victoria, Tania. Personne. Gagner, gagner. Médecins gagnent plus que les infirmières. Parfait. Et à l'inverse, l'opposé. Infirmières et moi gagner le sein. Exact. Gagne moins, d'accord? Ok, ça fonctionne. Je vais la noter. Les médecins gagnent, d'accord? Tout simplement, gagnent. Gagnent. Les médecins gagnent plus que les infirmières. Voilà. Plus que les infirmières. Les médecins gagnent plus que les infirmières. Infirmières. En effet, gagnent parce que ENT. On ne prononce jamais gagner. Et les médecins gagnent plus que les infirmières. En effet, c'est ça. Ou les infirmières gagnent moins que les médecins. En effet. 5. Cinq, les enfants dorment plus que les adultes. OK. Et à l'envers?
Dorm, dort. Dormant. Non, tout simplement, dort. Ah, d'accord. Dor. Exact, dorme. Parce que on est prolongé. Les enfants dorment plus que les adultes. Exact, parfait, c'est ça. C'est ça, en effet. Les enfants dorment plus que les adultes. En effet. Parfait, excellent, très bien. N'oublie pas dorme. OK. Et finalement, et 6. Attention à 6 parce que les vieux, c'est un peu péjoratif, d'accord? Au lieu de ça, on va dire les personnes âgées. Voilà. OK, quelqu'un, fumez. Fumer. Je peux le faire. Vas-y, merci. Le jeune fume autant que les personnes âgées. En effet, c'est ça. C'est ça. Parfait. Et les jeunes fument. Les gens fument. Autant que les personnes âgées. En effet, c'est ça. Fume. En effet, oui, c'est ça. Ou les personnes âgées fument autant que les gens. Oui, c'est. Si c'est vrai, c'est incroyable, n'est-ce pas? Les gens fument autant que les personnes âgées. C'est bizarre. Donc, parfait. Et il manque ici, et on va passer à faire l'exercice numéro 7. Ici, il manque les majuscules, d'accord? Les Français comme les Espagnols en majuscules. Parce qu'il s'agit d'une communauté. De la même façon, on peut dire les Boliviens, les Américains, les Français, les Canadiens, etc. Donc, à vous, voyagez. Les Espagnols voyageaient autant que les Français. OK, c'est ça. Les Espagnols. Ici, c'est très important. Comment t'on dit? Comment t'on prononce? Autant que Ah oui. le français. Exact. Autant que le français. Et le verbe? Voyager. Ah, d'accord. Et voyage. Voyager. Un voyage. Exact. Parce que on ne prononce jamais. Tout simplement, voyage. Oui, c'est un peu bizarre, oui. Et les Espagnols voyagent autant que le français ou les Français voyagent autant que les Espagnols. Les deux fonctionnent, c'est l'expression de l'égalité. En effet, de la même façon ici, fume, n'est-ce pas? Fume. Fume, gagne, joue. Lise. C'est très important de pouvoir identifier la prononciation parce qu'on va toujours trouver ce type de prononciation à la troisième personne du pluriel, soit il, soit elle, au féminin ou au masculin, d'accord? Mais toujours la troisième personne du pluriel.